الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous souhaitons la bienvenue à tous. Donc, nous allons aujourd'hui continuer notre formation avec le cours sur 10 sourates précises. Donc, la sourate Ad-Duha. Donc, nous allons voir la sourate Ad-Duha aujourd'hui et la sourate An-Nashr et Ash-Sharh. D'accord? Donc, pour la sourate Ad-Duha sans perdre du temps. Donc, il y a pour cette, sur cette page, vous avez aussi les restes de la sourate Al-Layl qui est là, ci-dessus, que nous verrons la semaine prochaine avec la sourate Ash-Shams, Inch'Allah. Donc, pour la sourate Ad-Duha sans trop perdre du temps, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى donc والضحى ici excusez-moi donc ici والضحى il faut faire attention il faut bien prononcer la lettre dod donc au lieu de da wadduha wadduha wal-layli idha saja ici ha c'est wadduha au lieu de wadduha donc c'est pas ha c'est ha 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 avec la gorge au lieu de ha au fond de la gorge donc wadduha والليل إذا سجى ici إذا سجى donc ici إذا vous allez vous voyez et la lettre ZAL on va pas trop rentrer dans les détails ici la lettre ZAL doit être prononcée en respectant comment dirais-je à la différence à la lettre ZAY dans la lettre dans la sourate Wadin wa Zaytoun donc il y a Zaytoun là c'est une autre za d'accord la différence c'est qu'ici il faut mettre le bout de la langue entre les incisives supérieures et inférieures et prononcer la lettre Wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala donc ici je fais une autre remarque c'est qu'à la fin de chaque verset vous faites une petite prolongation de deux temps d'accord وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى donc vous ne dites pas وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى donc سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى donc prolongation de deux temps وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى donc وَلَلْآخِرَةُ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ خَيْرٌ لَكَ ici vous avez idgham donc et effectivement vous avez idgham idgham bighayri gunna donc vous avez tanwin suivi par la lettre lam la lettre lam implique un idgham ici mais sans gunna sans perdre du temps à faire une gunna entre la lettre ra et la lettre lam donc il ne faut pas dire walal akhiratu khayrun laka min al ula non c'est plutôt وللآخرة خير لك من الأولى donc من الأولى ici de petite prolongation aussi tout au long de la sourate c'est la même chose donc وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى donc ici ولسوف يعطيك ربك فترضى donc فترضى فترضى donc ici dot vous faites une prolongation de deux temps ça suffit quand vous vous arrêtez alam voilà alam يجدك يتيما فآوى donc ici vous avez une faute qui est extrêmement fréquente même la majorité même les oustaz si je peux le dire comme ça ils font souvent ceux qui bon je dirais pas oustaz même ceux qui sont vraiment les apprenants beaucoup font la même faute ici donc alam yajidka donc la faute qui est fréquente ici c'est que la lettre dal qui est là donc je vais l'entourer la lettre dal qui est là elle est soukounée et marviné vous voyez bien donc la majorité la lise avec un i, avec kasra.
الجن ديز ألم يجدك يتيما، ألم يجدك يتيما، سي ألم يجدك يتيما فآوى، سي ألم يجدك يجدك سي دال سكوني، دونك سي لاتر جيم كي بورت لا كسرة إي، دونك ألم يجدك يتيما فآوى. دونك je suis tellement, je me suis tellement focalisé sur cette faute que j'ai passé sur une règle. Donc ici, la lettre mim va être liée avec izhar, d'accord? Donc la lettre mim ici doit être liée avec izhar. Alam yajidka yatima. Ici, la lettre dal, vous avez un kalkala, mais c'est un kalkala qui est très faible, d'accord? Ce n'est pas le grand kalkala. Donc on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Donc il y a un grand, un petit, un moyen, un petit kalkala. D'accord, donc la règle. Donc ici vous le faites, ça ne sort pas très, et ce n'est pas très prononcé. Donc alam yajidka yatiman fa'awa. Ici yatiman fa'awa, vous avez ikhfa. D'accord, les tanwins qui est là, il est suivi par la lettre fa, donc ikhfa. Wa wajadaka dallan fahada. Nous allons arranger. D'accord. Excusez-moi. Donc nous allons arranger avec les versets restants. Donc, wa wajadaka dallan fahada. Donc, wa wajadaka dallan. Ici, vous avez quoi? Vous avez un mad à faire, d'accord? Vous avez un mad qui est causé par la deuxième cause du mad. Jusqu'ici, nous avons vu que régulièrement, fréquemment, la cause du mad, c'est une hamza. Donc, en réalité, vous avez, et en vérité, nous avons deux causes du mad, le hamza et également le sukun, d'accord? Ici, vous avez le deuxième type de mad. Ici, le mad est causé par un sukun. Le sukun est contenu dans la shadda qui est là. Donc, ووجدك ضالا فهدى. Ici aussi, autre chose encore. Donc, ici, vous faites un mad, d'accord? Autre chose aussi, donc, ici, lan fahada. Donc, vous avez un tanwin. Donc, ça doit être lu avec ikhfa. Lan fahada. D'accord? Donc, ووجدك ضالا fahada. D'accord, vous pouvez continuer. Et autre chose, c'est que la prolongation ici, elle est obligatoire, d'accord? Obligatoirement, vous devez faire 6 temps. Vous devez faire 6 temps obligatoirement ici. Je l'écris, c'est pas bien fait, d'accord? Donc vous devez faire ici obligatoirement 6 temps, d'accord? 6 temps à ce niveau. Je vais l'encercler. Donc 6 temps à cause au niveau de cette prolongation. Donc do lam fahada wa wajadaka ailan fa aghna. Donc wa wajadaka ailan fa aghna. Également ici vous avez wa wajadaka a, ici vous avez un mad aussi. Cette fois-ci le mad est causé par quoi? Par une hamza. Voilà. Donc, cette fois-ci, le mad est causé par une hamza. Donc, votre prolongation doit être ici aussi de au moins 5 voire 6 temps. D'accord? C'est une prolongation obligatoire. La même chose que là. Donc, ici, vous avez tanwin. D'accord? Tanwin suivi par la lettre fa, donc ifa. Donc, wa wajadaka ilam fa agna. فأما اليتيم فلا تقهر. فأما vous avez ici غنّة à faire à cause de la shadda. Donc il ne faut pas dire فأما. Donc c'est فأما. Vous devez faire cette غنّة là. Ça fait partie de la lecture. فأما اليتيم فلا تقهر. Vous avez قلقلة ici. قف سكوني. فلا تقهر. Wa'amma, ici wa'amma, gunna, à cause de la lettre, à cause de la shadda,
Donc, vous faites rouna avec wa amma ila fala tanhar. Donc, wa amma ici, vous avez idgham. Donc, c'est idgham là. Vous allez faire un idgham ici de combien de temps aussi? Voire 5-6 temps. Puisque vous avez la lettre Hamza qui suit. D'accord? La lettre Hamza qui suit. Et cet idgham là, c'est un idgham. Et mutasil, donc c'est contenu dans un même mot, d'accord? Asa'il, d'accord? Fala tanhar, donc tanhar ici, la lettre nun doit être lue avec izhar, d'accord? Parce qu'il est suivi par une lettre de la gorge, la lettre ha plus précisément. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, donc wa amma ici, vous avez runa à faire. Je vais l'encercler. D'accord. Wa amma ici bini'mati. Bini'mati rabbika fahaddith. D'accord. Voilà. Donc nous avions fini avec la sourate Ad-Duha. Nous allons passer à la sourate suivante. Et la sourate Al-Hashr. Donc, pour la sourate Al-Hashr. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك دونك ألم نشرح لك صدرك دونك ألم vous avez ici d'accord إظهار la lettre ميم doit être lue avec إظهار دونك ألم نشرح لك صدرك دونك Laka sadrak, ici la lettre dal porte une quoi? Un soukoun plutôt. Donc, la lettre dal porte un soukoun. Attention à ne pas lire cette lettre avec une fataha. Donc il ne faut pas dire Alam nashrah laka sadrak comme certains pourraient le faire. Donc c'est sadrak. Donc kalkala. Wa wada'na anka wizrak. Donc ووضعنا عنك وزرك دونك ووضعنا عنك ici عنك la lettre نون ici donc suivi par la lettre كاف إخفاء عنك وزرك 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 voilà الذي أنقض ظهرك donc الذي ici vous avez une mad à faire une prolongation d'accord prolongation causée par la lettre Hamza qui suit. Donc, mais ici, vous avez le choix. Hein. Vous pouvez faire 4, vous pouvez faire 5, 6 temps. Vous pouvez aussi également faire jusqu'à 2 temps seulement, sans trop prolonger. Donc, ici, en pas vous avez la lettre Noun qui est là, qui est soukouné. Elle est suivie par la lettre Qaf, donc Ikhfa. En pas de Zahrak. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا donc فَإِنَّمَا ici vous avez غُنَّة à faire فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا donc إِنَّ ici aussi vous avez غُنَّة à faire d'accord إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ Ici, la lettre Noun, soukouné, suivi par la lettre Sad, vous avez Ikhfa. Fan Sobe, ici, vous avez Kalkala. Donc, c'est un Kalkala moyen, ici. Donc, Fan Sobe. Wa ila Rabbika farghab. Donc, Wa ila, prolongation de deux temps. Rabbika farghab. 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 Kalkala à la fin du verset, d'accord? Donc, nous allons nous arrêter aujourd'hui à ce niveau. Avec les sourates, Inch'Allah, nous continuerons la semaine prochaine avec les sourates Ash-Shams et la sourate Al-Hijr. Et sur ce, nous vous souhaitons un bon week-end. Inch'Allah, nous allons continuer, comme je l'ai dit, la semaine prochaine avec les sourates suivantes. Et subhanakallah, bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.